Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour l'épisode 26 de Hollow Knight. On était dans le jardin de la reine, on avait trouvé le village des traîtres et on avait galéré sur son boss. Bien, galéré. Donc là, on est reparti directement. On a changé un petit peu les charmes pour tenter avec le charme qui permet de devenir invulnérable lorsqu'on canalise notre énergie pour soigner par exemple. Donc on va tester ça comme ça. On verra bien. Donc on fait toujours le chemin, c'est toujours très long. On prend toujours un petit dégât parce que pourquoi pas, après tout, hein, quitte à arriver sur le boss, on va y arriver avec moins de vie. Un petit peu. Ah oui. On peut se soigner. Mais bon, j'arrive même pas à nous casser dans un mur, s'il te plaît. Hein? Non, 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 ça marche pas ton charme. Il marche pas du tout. Je peux pas regarder des dégâts. J'ai beau maintenir le bouton V, il prend des dégâts. C'est quoi ce truc à la con? Bizarre. Par contre, il y a peut-être celui pour aller plus vite au niveau de la canalisation qui pourrait nous aider. C'était quoi celui-là? Ok, je vois le genre. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Forme d'eau, non. Il est où? Je trouve pas celui qu'il faut. Ok. Ça va être utile. Parce que le monde de fou, il faut esquiver dans son pattern. Après, ils ont peut-être fait une mise à jour un peu de temps que t'as joué et que du coup, il est plus aussi fort que ça, le Form Doom. Oui, certes, avant, il était fumé vu qu'il était invulnérable pendant très longtemps. Mais peut-être que c'est qu'eux aussi au coup qui font un dégât. Là, il en fait deux en fait. C'est quoi, en font deux? Donc, peut-être que ça outrepasse la capacité du charme. Allez, try 4212, ça va le faire. Voilà, t'es tellement vite.
J'avais mon truc, hein, de manière habilité, mais bon, en même temps, faut voir. Oh non, j'ai fait mon esquive invulnérable, là, tu devais pas, là. Ah mais en fait ça va sur toi obligatoirement en fait. C'est auto-guidé à fond. Mais c'est fou l'auto-guidé, que t'ailles plus près ou plus loin sur ta gueule quoi qu'il arrive en fait. Ah mais c'est terrible. Allez, c'est reparti. Merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Peu de bouton, deux fois, ok, super. Oh mais sérieux? J'ai fait mon esquive! Je fais mes esquives, mais il veut pas. Ah bah elle l'a eu. Ah non. Ah si. Et ils se sont entretués. Oh bah dommage. Bye bye. C'était la mauvaise fin, c'est ça? Protégé. Bah tant pis, hein. Quelqu'un arrive, il vient de loin pour me trouver, cherche-t-il mon aide? Peut-être est-ce par simple chance de que le chemin les guider jusqu'à cet endroit, c'est intéressant.
On peut la faire survivre, mais c'est bizarre. Ah, ok. Il est vrai que vous étiez attendu. Non, peut-être que c'est inexact. Devrais-je plus te dire qu'un être véritable comme vous était attendu. J'ai un cadeau que j'ai gardé pendant très longtemps pour une personne comme toi. La moitié d'un tout. Quand les deux moitiés sont unies, une grande puissance est accordée à son porteur. Et sur le chemin qu'il reste à parcourir, une grande puissance il en aura besoin. Ah ouais. Un fragment blanc. Ah, à tous les coups, c'est pour briser l'armure blanche du mec au niveau du palais ancestral. Non? Bah, qui est trop loin? Ok, bon bah on va explorer le reste maintenant. Ah écoutez. Eh bien, c'était vraiment quelque chose, un véritable combat entre deux guerriers de table. Tellement intense, tellement extraordinaire. C'est vraiment tout ce que j'aurais pu espérer. Merci pour tout, mon ami. Pour une si petite créature, tu as montré un vaillant exemple. Sûr que nous nous retrouverons. Que nous nous reverrons. Hop, je te mange. J'ai pas le charme que je veux du coup maintenant là, je l'ai plus, faut que j'aille récupérer les géos à la main. Oh là là. Vraiment je trouve que le Ok, il a explosé. Que le charme où tu récupères les géos via les petits insectes, ça devrait être intégré de base, c'est trop important. Maintenant, deux choses à faire, go Abyss. Ah. Attends. D'abord, on sort de là. Et on va aller go Abyss. A tous les coups, là, c'est un petit bonhomme à sauver. Eh, mais c'est terrible, ça. On va y arriver, moi. Ouais, les larves doivent être sauvées. Mais je martèle le bouton A, ça a pas sauté! Voilà! Tout est parfait, elle est sauvée! On est retourné à Vers-chemin. Ah bah oui, c'est là où justement on était bloqué la dernière fois.
Oula, oula, oula. Ah bon, on s'en fout, on peut nager. Oh bah oui, c'est là, on s'en fout. Et on peut même les tuer, je crois. En tapant dans leur tête. Oui, ça marche. C'est bon. Par contre, normalement, on a tout fini. Allez, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit. On va peut-être aller voir le chasseur, non? Au cas où, on sait jamais. Bon, on se retrouve là-bas. Ok, on est arrivé au chasseur, on va pouvoir voir ce qu'il nous dit. Ah, votre voilà se remplit et s'élargit. Il ne vous reste plus que quelques bêtes rares à attaquer. Ah, il faut tout faire! Il faut tout, tout faire! Vaincu, effectué. Ah, on a fait que la moitié. Il nous manque une vingtaine de bêtes. Et on en a effectué la moitié. Ah ouais, ok. Bon, par contre, on me conseille d'aller aux abysses. Du coup, je vais aller aux abysses. On se trouve là-bas. Bon, on est de retour, du coup, dans les abysses. Là, je sais pas si je peux y faire un truc vraiment. Qui me dit une pierre bleue. Ok, une pierre bleue, j'en ai un peu rien à foutre. Ah, apparemment, c'est avec des cœurs bleus. Il y a un... Ok, j'ai une strat. Si c'est pour les cœurs bleus, j'ai une strat. J'ai la strat du charme qui donne des cœurs bleus. On va faire ça tout de suite, on va aller voir ça fonctionne ou pas. Alors, dans les armes, on peut mettre quoi? On vient faire ça, ça et ça. Ok. Déjà, lui, il nous donne pas mal de cœurs bleus, c'est ça? Il donne pas mal de cœurs bleus. En plus, on peut avoir celui-là. Pour avoir encore plus de cœurs bleus. On va se refaire un petit épée ici. Et on va faire ça comme ça. Parce que s'il faut plein de cœurs bleus, bah ça, on peut en avoir plein assez facilement. Un de moins. Bon, ok. Il m'en faut 3 de plus. Ok. J'ai de la solution. J'ai la solution, je vous ramène avec les cœurs, je vais aller les récupérer sur un truc à la con quelque part comme là-haut ou autre. On en a croisé quelques-uns pas trop loin. On va pouvoir les trouver. Let's go. Donc hop. Et on se TP. Ouais, donc j'ai réussi à récupérer du coup tout ce qu'il fallait. Normalement, le compte est bon. Normalement. S'il en manque un, par contre, je pète un plomb. C'est bon.
Donc pour vous dire, je suis allé du coup prendre les trois premiers qui sont ici, en haut là. Donc ça a fait plus 3 sur mon compte. Normalement c'était bon. Mais comme j'ai pris deux coups, je suis allé du coup à la passe du roi tout en haut là-haut pour récupérer encore deux de plus. Et normalement c'est tout juste tout bon. C'est pas là non plus. Je vais pas y arriver, hein. Il y avait que ça? Il y avait vraiment que ça? Non, pas possible. Je passe à côté, mais il y a un autre truc. Là, il n'y a pas que ça, je suis d'accord. Ah ouais, il y a ça au moins. Noyau sang de vie. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Noyau sang de vie, c'est le deuxième, enfin le troisième du coup qui manquait. Octroie à son porteur au repos une fine couche de forge de vie qui le protégera contre une grande quantité de dégâts reçus. Pense qu'on aurait une barre bleue de dingo après ça. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un truc ici? Ouch. Non. Je peux rien faire de plus. Non, bon bah je peux rien faire de plus. Ah, il fallait crier. Cri des abysses, nouveau super, enfin nouveau pouvoir. Ok. Bon bah. Ouais, il a une meilleure gueule. Je pense que c'est tout ce que pouvait faire notre copain aux abysses. Rien de plus, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'on peut faire? Donc là, on arrive tranquillement à 80% d'achèvement. Si loin que ça, on a les 3 mètres de le stock, on a tout ce qu'il faut, taille des rêves, on n'a pas la version 2 de l'esprit vengeur, on n'a pas la V2 de canaliser si elle existe. Où est-ce qu'on peut aller? Carte, on va regarder la carte, hein, on verra bien.
Là, on n'a pas été au milieu, là. Un petit truc. On a un peu tout vu en fait, hein. Encore qu'on fasse ça. Dans le nid profond, il y a ça qu'on n'a pas fait ici. C'est terrible. Là aussi. Et là aussi, du coup. Oui, il y a le nid profond qu'on n'a pas vu encore. On verra ça la prochaine fois. On va mettre un petit marqueur. On va mettre un petit marqueur ici. Tac. Un petit marqueur là. Et là, paf, ça sert à rien, mais au moins ils sont mis. Après le reste, on n'a pas été de marqueur durant tout le long, donc tu sais, on s'en fout un peu. On sait où on doit aller, alors on ira et c'est tout. Donc il n'y a pas de lien entre là et là. Même le tram, on ne peut pas utiliser le tram. Ça, c'est terrible. Il y a plein de trucs, on connaît les arrêts, comme là le repos. On connaît les arrêts, on peut pas l'utiliser. Comme là, il y a peut-être un truc à droite. Et on n'en a pas non plus. On a fini le jeu sans faire le tram. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Sur ce, une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bye!